Salut à tous, c'est Pang de la chaîne Bienvenue sur cette deuxième partie de Silver Mind Control Key to the Inner Kingdom Truth Psycho-Orientology. Toujours avec Dame Lipasco. Rebonjour. Et bonjour pour ceux qui n'ont qui pas vu au départ. Et donc, on continue ce petit ouvrage très sympa de Harry McKnight. On a un petit peu parlé de ses débuts, de différents éléments qu'il met en avant. Petit ouvrage que vous pouvez avoir pour une trentaine de dollars et qui peut venir jusqu'en France, hein, ça met 10-15 jours si vous aimez lire, n'hésitez pas, c'est toujours sympa de le lire, bien sûr si vous lisez en anglais, parce qu'il n'y a pas de traduction française, mais bon, il y a quand même la possibilité, et maintenant, je dis ça, mais maintenant ça me fait halluciner, les téléphones portables, pour ceux qui ont des Google, vous appuyez sur je ne sais plus quoi, Lens, et sur Lens par exemple, et ça, c'est quand même bluffant. Alors après, c'est super galère à lire. Mais vous pouvez faire texte. Par exemple, si je fais, hop, si je regarde mon texte là, là, je mets mon texte, je le mets, je mets traduire, voilà. Et en fait, directement, c'est incroyable. Directement, en fait, là, ça a traduit en français. Et tu pousses sur quoi pour faire ça? C'est ceux qui ont Android. Qui est en Android. Android. Ah, toi, t'as Apple. Oui. T'as suivi ce que Michael disait. Mais c'est bluffant parce que là, maintenant, alors bien sûr, c'est hyper galère à faire, mais sur tous les livres. Mais là, par exemple, tu vois, ça a directement traduit. Wow. Et c'est en français. Ouais. Ouais. J'ai pris juste une photo. Donc, tu vois, je vois au fur et à mesure que la nouvelle se répand, elle est parvenue aux oreilles de Dort Fritz, artiste, instructeur, entrepreneur d'art à Marilo. Au Texas, il avait fonctionné pendant des années comme médium naturel, mais ne savait pas comment apprendre aux autres à découvrir et à utiliser cette capacité sur eux-mêmes. C'est le premier séminaire qu'a donné José. Lorsqu'il apprit que cet homme de Laredo avait mis au point une méthode d'enseignement, il invita José à s'adresser à ses étudiants en art. Ce mois d'octobre 66 marque la première fois que José a commencé le cours de contrôle mental en anglais. L'incident avait son humour. Bon, voilà, il y a peut-être des heures. Mais c'est quand même assez bluffant de se dire que maintenant, quelqu'un qui ne sait pas lire anglais, s'il a un téléphone, et je pense que sur Apple, il y a aussi, hein, on prend une photo, ça traduit directement dans notre langue. Bluffant. Bluffant, bluffant. Donc, ce que j'avais mis en avant, donc les... Oui, bah justement, c'était ça. Donc, vous voyez que la classe en 66 était en anglais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il explique un petit peu avant, des étudiants avaient rencontré José un peu avant qu'il instruise la méthode en 66 et avaient trouvé son travail hyper intéressant. Ils ont supplié qu'il enseigne la méthode. Et il sait qu'il a dit qu'il n'avait jamais enseigné de classe en anglais avant. Donc, les étudiants, ils ont dit, mais c'est pas grave, tu vas enseigner la méthode Silva en anglais et nous, on va t'enseigner l'anglais. Et à partir de ce jour-là, les graduates de la première classe ont pu commencer à développer et supporter le travail qu'avait fait José et devenir eux-mêmes des instructeurs. Donc, c'est assez génial. Tout au départ, c'était quand même en espagnol. Le premier officiel en anglais, c'était dans l'école d'art dont on vous avait parlé, donc en 66, à Marilo. Et avant, c'était simplement que en espagnol. Donc ça, c'est quand même assez chouette à le savoir. Puis après, bah, ce qu'il explique, hein, ils ont fait à Mexico, oui. À Mexico, et la direction nationale était sous la direction de Juan, le frère de José. Donc après, bon, il nous redonne un petit peu des notions sur le développement de la méthode. Ça, on les a déjà plus ou moins vus. Alors là, il y a un petit chapitre qui est sympa. Ce qu'il dit, c'est le deuxième chapitre, hein, « The inside and outside of the of sense ». Ce qui a été intéressant, c'est que bon, il explique la complexité qu'il y avait pour tendre à donner quelque chose d'un peu scientifique et d'un peu sérieux de la méthode au départ, parce que justement,
ce qu'on vous disait sur la fin de la précédente vidéo, c'est que il est dur de formaliser l'esprit, la conscience. En fait, on sait bien que, et c'est la beauté des neurosciences, encore que, j'ai encore lu la semaine dernière des articles de neuro qui disaient « on ne sait toujours pas où est la conscience ». On ne sait pas, on n'arrive pas à savoir. Il y a même eu un super, j'ai pas encore lu l'article, mais quoi, j'ai pas encore partagé l'article, mais il y a eu un défi entre deux sommités, de la philosophie et un des neurosciences, il y a 40 ou 50 ans, je ne sais plus, et le scientifique avait dit bah, « dans 50 ans, t'inquiète pas, on va pouvoir te dire dans le cerveau où est la conscience », et le philosophe a dit « jamais vous trouverez ». Et donc, bah, là, ça faisait 50 ans ou 40 ans, je ne sais plus. Et le neuro, il a dû admettre qu'il a perdu le pari. Il dit, bah, on sait toujours pas, en fait, où est la conscience, on n'arrive pas à le déterminer. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et qu'importe les neuros, ils sont en train de se poser la question si c'est dans le cerveau. Quoi. On revient à cette notion d'âme, etc. Alors, pour un neuro ou pour un scientifique pur, c'est un peu compliqué. Parce que se dire, attends, n'oubliez pas, les scientifiques sont des matérialistes, dans le sens, c'est le matériel, le concret, qui permet de capter les choses. C'est des liaisons nerveuses, c'est des synapses, c'est de la chimie. Là, on arrive sur des éléments qui sont un peu compliqués. Et là, ce qui est intéressant dans cette partie de l'ouvrage, c'est qu'il nous dit, bon, bah, au départ, on était un peu paumé pour tenter de prouver des choses, de montrer des choses, jusqu'à ce qu'ils découvrent... qu'ils apprennent bah, tout ce qui est EEG, etc., les électroencéphalogrammes, puis après qu'il y ait des personnes qui aient bossé dessus et qui commencent à parler des CPS, donc des cycles par seconde, et ils nous expliquent un petit peu l'historique de tout ça, à dire, bon, on a commencé à découvrir toute cette notion-là, et petit à petit, bah, avoir ces échelles qu'aujourd'hui on connaît, hein, delta, alpha, theta, bêta, alpha, theta et delta, et puis, oméga maintenant en haut. Mais à l'époque, bah, ça commençait tout juste. Donc, ils étaient vraiment un petit peu paumés dans cette catégorisation, entre guillemets. Et à partir du moment où ils ont pu prouver et un peu mieux comprendre cette dynamique-là, ils ont pu rendre un peu plus crédibles certains aspects dont ils avaient besoin de parler. Alors, et là, c'est intéressant parce que, comme tu disais, José, il était quelqu'un qui s'adaptait beaucoup. Au départ, il parlait monde subjectif, monde objectif, cerveau gauche, cerveau droite. Puis, au fur et à mesure, il a parlé des cycles de plus en plus, etc., etc. Parce que, bah, au fur et à mesure que la science évoluait, ça lui permettait, lui, de donner des choses qui étaient carrées. À ça, il explique quelque chose que je trouve sympa. Alors après, je ne sais pas d'où viennent ces stats, mais je trouve que c'est assez intéressant. Il était estimé que les adultes sans apprentissage d'une discipline de l'esprit fonctionnent en bêta à peu près 80% du temps et les 20% sont entre alpha, theta, delta, et particulièrement la nuit quand on dort. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore OK, sachant qu'on nous montre qu'il y a les cycles circadiens. Non, ce n'est pas les circadiens, ça c'est le sommeil. Si, c'est circadien, c'est 24 heures, et ultradien, c'est 1h30 pour le sommeil. Ah, c'est cela. Et en fait, on sait qu'on passe par… Lille explique bien pendant le cours, quoi, les instructeurs Silva vous l'expliquent bien pendant les cours, cette variable où on sait qu'on est bêta, alpha, theta, bon, delta en journée, c'est pas trop. Hein, parce que si vous êtes en delta en journée, vous n'êtes pas hyper productif. Mais en général, on reste pas constamment dans le même cycle. C'est amusant comment lui, son approche… Alors, c'est pour ça qu'au départ, je vous ai donné la date, hein, 72. Il faut prendre en compte les infos de 72 initialement. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette réflexion à se dire, c'est vrai que la plupart du temps, on reste sur du bêta dans notre quotidien parce que bah, on a les yeux ouverts. Souvenez-vous, on en a parlé de ce principe des yeux ouverts. Et parce que bah, tout simplement, on est focalisé sur plein de tâches et on n'arrive pas à être dans un état méditatif, on n'arrive pas dans un état de relaxation, de relâchement, d'ouverture, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette notion, la 80-20, qu'il propose ?
80% du temps, on est en bêta et 20% du temps en alpha, theta, delta. Ça dépend de la personne. Hein. Là, il parle en général. En général, oui. Ouais. Mais si tu te rappelles, José lui-même avait dit que quand finalement on a découvert les ondes cérébrales et que la raison qu'il croyait qu'il avait toujours réussi facilement par rapport aux autres, c'était que lui, il entrait instantanément en alpha quand il voulait penser. Mais 90% des gens, quand ils pensent, ils restent quand même en bêta. Donc, évidemment, on ne peut pas dire que ce 80% s'applique à tout le monde. Il y a des gens qui ont appris à entrer en alpha, il y a des gens qui restent un peu bloqués en bêta et qui demandent justement pourquoi leur pensée est tellement vague et dispersive, etc. D'ailleurs, ce matin... Pardon. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, je dis, mais c'est intéressant que Harry McKnight y dit aussi, mais peut-être un jour, on va apprendre à être conscient aux ondes delta, si on a vraiment le contrôle. Et ça, c'est quand même une idée très intéressante, parce que normalement, delta, c'est inconscience complète. Oui, mais ça reviendrait, je pense, à l'état SDL. Tu vois, quand on est en SDL, je pense qu'on... Justement, est-ce qu'on a pu vraiment mesurer les fréquences cérébrales en SDL? Non, je crois pas. On me demande souvent, et c'est très intriguant, mais je n'ai jamais entendu parler d'une expérience où on l'a fait. Si, tu sais, ceux qui ont dû le faire, il faudrait que je demande à Brice. Ah tu vois, Different from Somnambulic, Vladimir Makulov, il a fait un truc dessus. À voir. Je vais demander à Brice, parce que je sais que les copains d'Omni-Hypnose, tu sais, maintenant, en Suisse, ils font plein de tests avec des IRM, plein de tests avec plein de choses. Et je sais qu'ils ont, j'avais vu une stat à un moment par rapport. Alors, ils avaient réussi à montrer la différence entre SDL et somnambulique au niveau du mapping cérébral. C'est les gars d'Omni-Hypnose Suisse. Maintenant, ils font un gros travail avec des scientifiques. C'est intéressant. Et là, tu vois, je tape sur Google. J'ai mis SDL state on EEG, is SDL different from somnambulism? Je ne sais pas si c'est le même, mais je sais que Omni a déjà bossé dessus. Après, quel type d'onde il y a, ça, pour l'instant, je ne peux pas te le dire. D'ailleurs, sur ce que tu venais de dire juste avant, ce matin, je lisais un article, j'ai proposé donc sur une de mes capsules, un article qui était intéressant, qui était sur un magazine de psycho, qui expliquait qu'on avait de plus en plus de problématiques associées à carrément des psychopathologies, ça peut devenir des psychopathologies, quand on a des déficits d'attention. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant avec ce que tu viens de dire juste avant, où pour beaucoup, il n'y a pas eu cet apprentissage d'une discipline de focalisation. Or, on sait qu'alpha nous permet de mieux focaliser, ne serait-ce que pour la respiration, que pour le bien-être. C'est pour ça que les méditations, donc qu'elles soient dynamiques comme chez Silva, des méditations en mindfulness, de l'auto-hypnose, des travaux de méditation zen, qu'importe celle que vous faites, n'hésitez pas à en faire beaucoup parce que justement, ils ont prouvé que plus il y a un déficit d'attention, plus on a une potentialité de développer des psychopathologies, donc des problèmes psychiques importants. Des problèmes qui vont jusqu'à amener certaines personnes dans des phases dépressives, mais aussi sur d'autres pathologies plus profondes qu'on peut trouver en psycho. Donc, la méthode a un côté positif pour ça, même si, admettons, 80% du temps, bien sûr, là, c'est une stat, on va prendre ce fameux 20-80 hyper connu. Si vous êtes 80% du temps en bêta et que dans le bêta, au quotidien, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à focaliser, que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que vous n'arrivez pas à avoir une attention sur quelque chose, travaillez encore plus vos travaux, même 5 minutes, en auto-hypnose, en alpha, en qu'importe le nom que vous allez donner, on s'en fout. Faites-le encore davantage. Parce que si vous arrivez à le faire 5 minutes, ça prouve que pendant 5 minutes, vous avez une focalisation sur quelque chose. Et même si c'est le béaba du béaba, c'est-à-dire, je vais me focaliser pour détendre le sommet du crâne, puis le front, puis mes yeux, puis mon visage, puis ma gorge, puis après mes épaules, puis après mon buste, etc. Même ça, si vous arrivez à le faire, petit à petit, vous allez retravailler sur cette fonctionnalité qui est la focalisation. N'oubliez pas, un des points clés
de la méthode de l'alpha des trans en hypnose, c'est la capacité à focaliser son esprit. C'est un élément déterminant et clé. C'est un des facteurs. Alors, je ne sais pas si je te l'avais lu, mais c'est une des définitions maintenant que j'utilise le plus en hypnose. Hop, définition. Je vais te relire celle de l'hypnose en 2014 par l'American Psychology. Je crois que je te l'avais lu en plus sur un des podcasts. Mais l'American Psychological Association décrit l'hypnose comme un état de conscience impliquant une attention focalisée et une conscience périphérique réduite, ce qui est logique vu qu'on est focalisé, caractérisée par une capacité accrue de réponse à la suggestion. Cette définition-là, c'est la définition officielle depuis 2014 de ce qu'est l'hypnose. D'accord ? Cette notion, moi, qui m'intéresse, c'est un état de conscience impliquant une attention focalisée, une conscience périphérique réduite. Souvenez-vous, cette idée qu'on a en alpha, c'est vraiment ça, c'est se focaliser sur quelque chose, imagerie mentale, imagination ou visualisation. Si vous faites que ça avec une notion même très physique, vous permettez de focaliser, donc de défocaliser de tout ce qu'il y a et de défocaliser de tout ce qui pourrait vous emmener à gauche, à droite et d'avoir un déficit d'attention. Donc là, je reviens dessus parce que, comme le disait Lee, c'est quelque chose qui s'apprend. Et McKnight, oui, pensait même qu'on pourrait arriver à un niveau plus bas. Et je pense que l'état SDL, pour ceux qui y parviennent assez facilement, est un état où vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien qui vous dérange. La douleur ne dérange plus. Les malaises psychiques, physiques, émotionnels disparaissent. On est dans un état où on est focalisé juste sur du bien-être, un état de recentrage vraiment profond qu'on peut avoir hein, si on descend en θ avec la méthode, etc., etc. Donc, pensez-y parce que il montre vraiment maintenant qu'on a un gros problème sur le déficit d'attention et que, notamment pour les plus jeunes, ça peut emmener dans des états qui sont négatifs, destructifs et problématiques. Donc, ça va parfaitement avec ce qu'on est en train de voir. Ça te parle, tu avais déjà entendu parler de ce rapport entre le déficit d'attention et la psychopathologie? Pas scientifiquement, mais j'ai toujours cru que c'était le cas. Hein? Et j'ai eu beaucoup de parents qui ont envoyé les enfants faire le cours enfant parce qu'ils ont justement ces déficits. Et effectivement, c'est pour apprendre, pas simplement à se calmer, mais à se concentrer, donc focaliser. Et même Hellman, malheureusement, il a utilisé une expression aussi, il a parlé de pensée sélective, mais en fait, ça veut dire focaliser. Exactement. Moi, je trouve que le mot pensée sélective est très bon aussi. Enfin, c'est sélectionner la pensée, c'est-à-dire être focalisé sur une pensée. Exact. La notion est très, très bonne. Donc, vraiment, si vous voyez, si vos enfants, si vous-même, vous sentez que vous diminuez au niveau de votre attention et tout, méditez davantage. Prenez plus de temps en alpha. Mais là encore, hein, passez pas 10 heures, vous n'avez pas besoin d'être des moines bouddhistes. Hein. Passez 5 minutes, c'est nickel, juste 5 minutes déjà. Si vous avez des déficits d'attention, 5 minutes, c'est déjà super. Que sur ça. Et oui, vous aurez des pensées parasites, et oui, il y aura de trucs, ce n'est pas le problème. Vous pouvez avoir des pensées parasites tant que vous finissez ce que vous êtes en train de commencer. Vous avez décidé de faire une relaxation du corps, faites votre relaxation du corps. Vous avez décidé de faire, en même temps que les yeux fermés en alpha, de faire de la cohérence cardiaque, faites de la cohérence cardiaque. Ce n'est pas un problème. L'idée, c'est de redonner cette capacité à vous refocaliser. Et l'alpha, être en alpha, c'est vraiment un moyen de le faire, être en trans, c'est un moyen de le faire. Parenthèse fermée, mais qui complète un petit peu ce qu'on est en train de dire là. Oui, intéressant. Alors ça, je ne l'avais pas vu. We mentioned that les cycles, les fréquences désirables, c'est 10,5 Hertz. Et ça, c'est amusant, cette petite précision. Moi, au départ, je pensais qu'alpha, c'était 7. Et puis, un jour, tu m'as dit non. Je t'avais posé la question et tu m'as dit non, tu verras que José utilise beaucoup de 10. Et je dis, 10, c'est pourtant pas le truc. Et tu m'as dit, si, c'est l'optimum parce qu'arriver à la base de l'alpha, ça n'a pas forcément plus d'intérêt que ça. Donc, en fait, c'est 10. Et lui, dit non, en fait, les fréquences, ça va jusqu'à 21. Donc, on a choisi, we should refer to 10.5 CPS as being the center of the 3 octaves, donc au centre des 3 octaves, delta, theta, 0.5, 0.27 CPS,
Alpha, 7 à 14 CPS et Typical Beta, 14 à 21 CPS. Bon. J'ai trouvé que c'était marrant parce que ça, c'est un truc que je n'avais pas lu non plus. Je ne sais pas si tu avais déjà lu le 10.5. Si, justement, quand on parle vraiment de façon exacte, c'est exactement entre 7 et 14. Donc, c'est vraiment le centre. Mais en pratique, évidemment, on ne va pas trop. Donc, par exemple, dans le séminaire Ultra, on vibre les mains à 10 cycles par seconde, pas à 10,5 cycles. Donc c'est, mais pour vraiment parler du précis centre, c'est exactement 10,5. Ouais, c'est amusant. Bah, à noter, c'est des petits trucs en plus, mais je trouve que c'est amusant de le mettre en avant. Oui, ça j'ai trouvé que c'était chouette la manière dont il l'amène. C'est au niveau alpha que les personnes peuvent s'entraîner à obtenir des informations non disponibles par les cinq sens. J'aime bien cette façon dont il l'emmène, c'est-à-dire que là il ne parle pas d'objectif subjectif, il dit voilà, on a une capacité à obtenir un ensemble d'informations avec nos cinq sens et donc en bêta, mais que parfois bah, c'est pas suffisant et donc il faut rentrer en alpha pour aller au-delà de cette notion des cinq sens. J'ai trouvé la manière d'amener plutôt sympa et de dire aux gens, bah voilà, alpha, c'est travailler sur un sixième sens, entre guillemets, c'est l'intuition, hein, arriver sur cette notion de prise d'information que les cinq sens ne pourraient peut-être pas réaliser spontanément ou automatiquement. Mmh. Et ça, plutôt bien présenté. Hop. Ouais. Donc là, il nous fait un petit résumé que j'ai trouvé cool. Nous avons vu que il y a des effets désirables avec les effets alpha, au niveau des rêves, au niveau j'aime pas le mot soin, heal more effectively, c'est-à-dire se soigner, mais le mot soigner, j'ai pas envie que ce soit associé forcément. Heal en anglais, normalement, c'est guérir. Ouais, c'est ça, mais justement. Et on parle d'une correction mentale, voilà. Voilà, on va dire se corriger, voilà. Corriger. J'aime bien le mot corriger, je trouve qu'il est très très bien. Voilà, bon, alors avec cette intention de guérir, mais heal more effectively, créer, programmer et communiquer subjectivement. Lui, il définit ces cinq éléments comme étant la structure de base et les éléments fondateurs que l'on peut utiliser en alpha. Je trouvais que c'était un bon résumé. Alors après, il nous explique plein de petites choses. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, c'est pas grave. Je vais juste introduire. Il y avait certaines choses qu'il a dit que je trouvais très, très sympa. Nous sommes dans une synthèse dynamique de toutes nos expériences et nous sommes plus. Nous sommes la conscience exprimée d'une certaine façon de ces expériences. Nous sommes la conscience exprimé à travers de certaines de ces expériences, nous sommes et nous devenons. Ça devient technique, son truc, mais je trouve que sa manière est assez intéressante, dynamique synthétique de toutes nos expériences. Ça, je trouve que c'est intéressant. Nous sommes et nous devenons. Donc, il y a toujours cette notion de dynamique qui met beaucoup en avant et que je trouve qu'il a bien partagé. Après, bon, c'est au milieu d'un long paragraphe, hein, mais je trouve que c'est assez bien exprimé. Ouais, j'aime beaucoup. Oui. On n'est jamais vraiment accompli, on est toujours en train d'évoluer. Exactement. Et ben, le principe dynamique, à ce moment-là, prend un autre sens. Tu vois, quand tu dis communication dynamique, on pourrait se dire méditation dynamique, on pourrait se dire méditation, en mouvement vivant. Alors qu'en fait, ça peut aussi dire qu'on est dans une dynamique d'expansion et donc de progression. Ouais, c'est très intéressant, comme ça fait changer la notion qu'on peut mettre derrière dynamique. Ouais. Oui, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Une fois que la communauté, alors c'est une hypothèse, hein, c'est quelque chose qu'il souhaite, une fois que la communauté scientifique réalise de plus en plus les potentiels humains, ils pourraient être plus ouverts à des notions et à des aptitudes qu'ils peuvent explorer et on pourra, à ce moment-là, créer probablement une espèce de Psy-Q, un index Psy-Q comparable au IQ. Donc,
En gros, pour lui, il y a une notion psyq, qui pourrait être l'espèce de notion de comment tu utilises ton côté psychique interne, comme on pourrait noter comment on le fait avec la notion d'intelligence aujourd'hui avec les tests d'intelligence. Oui, ça aussi, c'est très sympa. En fait, on connaît ce qu'il dit, mais c'est sympa comment il le dit. Il y a une vision psychique. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Il y a une audition psychique, c'est ce qu'on appelle la clairaudience. Il y a aussi le toucher, le goût et on va dire le kinesthésique psychique qu'on appelle. Alors, en France, je ne sais pas comment on le dit, clairsentience, ils le disent en anglais. Clair ressenti. Oui, en français, ce sera clair ressenti. Ah, d'accord, ok. Oui. Donc, ça il met en avant toutes ces notions-là. Et il tente d'emmener, en fait, petit à petit, notre compréhension à dire il n'y a pas que la vision au niveau physio, il y a la vision au niveau psycho. Et au travers de ça, si on commence à avoir des sensations, des émotions et autres, elles sont à prendre en compte, ce qu'on va appeler des points de référence, afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, c'est intéressant comment il nous emmène petit à petit à dire, il y a la vision du sens et il y a la vision de la psyché. Et au travers de ça, être un clairvoyant, c'est rien de plus que voir, sans forcément voir avec ses sens, mais avoir une vision interne qui corrobore quelque chose qui est réel. Et je trouve que son amenée, elle est hyper délicate. Tu vois, c'est pas genre, on peut voir des choses, c'est juste quelque chose qui est factuel. Tout le monde peut percevoir quelque chose, peut ressentir quelque chose. Et après, c'est une compétence qu'on a, qu'on peut ramener dans le réel. Je trouve que c'est assez bien amené, sa manière de proposer. Et ça me fait penser aussi au fait que, par exemple, pour la vue, physique ici. Il y a des gens qui sont aveugles, mais qui peuvent super bien visualiser. Et c'est ce qu'il dit. Ah, et le contraire, il y a des gens qui ont aphantasie, qui ont un très bon sens de vue physique, mais qui sont aveugles psychiquement, qui n'ont pas de mental. Donc là, c'est très clair qu'il y a vraiment deux facultés. Exactement, et ça, il en parle. Il en parle des aveugles ou si on ne voit pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, parfois, nous, dans la méthode, on insiste un petit peu sur le mot visualisation, même si on sait très bien que derrière, on a une autre intention. Mais qu'on le veuille ou non, les personnes vont associer ça au sens de la vue ou à la capacité d'imagerie mentale. Et là, il dit, en gros, tout le monde peut être un peu différent et chacun vit des expériences qu'il détermine selon ses propres points de vue. Vous pouvez décrire quelque chose au niveau d'une imagerie. Mais vous pouvez très bien avoir des personnes qui n'expérimentent pas d'imagerie du tout. Et ils vont vous décrire comme une expérience, mais de façon différente. Peut-être au niveau du goût, peut-être au niveau kinesthésique, peut-être au niveau du sens auditif. Et c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que, oui, on parle de miroir de l'esprit, mais parce qu'on sait que la plupart des choses se font d'un point de vue visuel et que c'est une des choses les plus simples à utiliser, mais il y a des personnes, ça se trouve, ils auront un miroir de l'esprit qui sera que auditif ou qui sera que kinesthésique. Ce n'est pas un problème. Et je trouve que c'est intéressant qu'il le ramène, il le rappelle, il dit en gros, on est tout. Quand nous, on dit clairvoyant dans la notion Sylvain, en fait, c'est aussi clairaudient, clair ressenti à un moment donné et prendre en compte que vous pouvez avoir une aptitude qui n'est peut-être pas que visualisation, même si ça peut paraître étrange et important, parce que ça ne met personne sur le bord de la route. En fait, on peut quand même utiliser cette notion de perception non associée à nos sens, mais plutôt psychique, si on reste complètement dans cette sphère-là. Donc, au moins en PNL, on parle de perception. Exactement. Le mot visualisation. Même si on explique que c'est multisensoriel, ça implique quand même le visuel. Oui. Je suis complètement d'accord. Et là, tu vois, il dit « L'habilité psychique peut aussi se décrire comme une habilité à envoyer et recevoir des images, des sons et des sensations
autre que celle des cinq sens. Et il revient sur cette notion-là. Et je trouve que cette petite phrase est intéressante. Les habiletés psychiques peuvent être décrites comme les habiletés pour recevoir et envoyer des sons et des images, des sensations autres que les cinq sens. Et je finis, parce que là, on est un peu à la bourre. Ouais. Parfois, on est en train de regarder l'environnement à un niveau bêta, et parfois, on vit la même expérience, mais à un niveau alpha ou theta. Et j'ai trouvé que c'était intéressant que, comme il disait tout à l'heure, on n'est pas toujours en bêta, et parfois, on peut vivre la même expérience, exactement la même, hein, tu te fais la cuisine, tu vas te doucher, et en fonction de comment tu vas être, dans quel niveau tu vas être, tu vas avoir une perception différente, que tu sois en bêta, en alpha ou en theta. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il reste toujours dans cette notion, comme tu l'as dit, de perception, de logique très, très filtre interne. Là, on est beaucoup dans les notions hypnose, PNL qu'on connaît bien. On voit le monde en fonction de notre monde intérieur et en fonction de comment on est à l'intérieur et quelle fréquence on a, on ne va pas voir, pas ressentir, pas percevoir les choses de la même façon. Et ça, je trouve que c'est très bien emmené. On sent quand même le côté très psycho de McKnight à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais je trouve que ces petites précisions qu'il donne sont vraiment, vraiment, vraiment de qualité. Oui, et effectivement, il y a un moment dans le texte, Sylvain, où, et ce n'est pas expliqué, mais on mentionne simplement, tu vas utiliser ton sens de savoir, ton imagination, ton sens de visualisation directe ou indirecte. Mm-hmm. Et quand j'ai parlé à d'autres instructeurs de cela, on a pu comprendre en fait que visualisation indirecte, c'est quand on perçoit, mais ce n'est pas forcément une image visuelle. Et donc, au moins, on a mentionné, mais il n'a jamais vraiment expliqué. Mais c'est intéressant, justement. Il faut vraiment accepter toutes ces possibilités. Et c'est sûr, justement, quand on fait 303, tous les exercices, on voit la lumière, on entend le son, on sent la température, l'odeur, quelquefois le goût. Donc, on utilise toujours tous les sens pour mieux visualiser. Exactement. Justement, devrait impliquer tous les sens. Oui. Enfin, on devrait peut-être utiliser le mot percevoir. Ouais. Mais ouais. Bon, dire, tu vois, il y a à la place de visualisation, il y a la perception. Je suis pas sûr que ça parlerait. Quoi ? Je sais pas. Mais c'est pas un mot qu'a utilisé José. Donc volontairement, s'il l'a pas utilisé, c'est qu'il y a une raison. Mais tu vois, il aurait pu très bien. Alors, est-ce que c'est un mot qui était moins utilisé dans les années 40, 60, perception, alors que dans les années 60, 70, ouais, dis-moi. Tu te rappelles, il y a une petite image où on voit la vue et puis on voit la visualisation. Ouais. Et la vue, on a les yeux ouverts, il y a un stimulus, on voit la... Et dans la visualisation qui est en alpha, et on a l'écran mental 20 degrés, le mot est perception. Et on dit ça commence dans le cerveau et c'est perception, c'est pas visualisation. Donc, il l'a quand même utilisé. Ouais. Et c'est peut-être à nous de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on s'est tellement vu que visualisation, on l'a associé à souvenir remémoré. On l'utilise peut-être plus dans souvenir remémoré que dans visualisation sens de voir. Tu vois. Ouais. Mais ça, c'est compliqué parce que nous, on est tellement dedans et qu'on lit, on cogite dessus. Alors qu'en fait, pour un néophyte, le mot perception serait beaucoup plus valable pour lui, tu vois. Le mettre en synonyme et dire, bon, bah, c'est visualisation slash perception. Ouais. Perception 2, filtre 2, tu vois, après, tu ne vas pas parler de filtre, mais c'est un petit peu l'idée. Voilà pour cette première partie que je trouve vraiment de cet ouvrage qui est vraiment chouette. Ouais. Je trouve qu'il a une finesse de perception des choses, d'exposition des choses qui est vraiment, il est bon, hein. Il est bon. Il a un très bon cerveau. Ouais, non, il était, moi, je trouve ça, je trouve que parmi là, tous les petits ouvrages qu'on a pu lire, je trouve que avec celui qu'on a lu la semaine dernière, qui était aussi sympa, je le trouve très fin au niveau de sa manière de réexprimer ses idées et de les composer. C'est vraiment très chouette. Excellent. Voilà pour. On va continuer parce que, évidemment, plus tard dans le livre, il parle de l'hypnose et les différences entre l'hypnose et Sylvain. Donc, c'est parfait pour nos podcasts. Exactement. Donc. On vous rappelle que la dernière semaine de août, il y a deux
séminaire live, il y en a un à Avignon, à Aix, pardon, à Aix. Oui. Aix et un à Paris avec Lee, hein, avec une instructrice Silva dans le sud. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez avoir des séminaires en live. Pensez qu'il y a toujours des séminaires online qui sont disponibles. Il y a aussi chez nos copains suisses et belges, vous avez de quoi faire. Donc, n'hésitez pas à regarder sur les sites methodesilva.chfr.be et la méthode Silva. La méthode Silva. Si tu m'as tu vas pas trouver. La méthode Silva. Méthode Silva. Les trois, France, Belgique et Suisse. Exactement. Donc, vous pourrez trouver toutes les infos qu'il vous faut. Est-ce que tu as une dernière petite chose à rajouter, Lee? Non, non, c'est bon. On a déjà dépassé l'heure. Donc, j'attends déjà avec impatience la prochaine fois. Au top. Eh bien, merci. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. À très vite. Be one. Ciao, ciao.